célébrons de nous tous magnifions la la pizza la colombo Yeshua. Rejoignez la tour de prière Summer TV. Un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amélia, que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Sois fortifié. Gloire à Dieu. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Et aimons la vidéo, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes à notre quatrième session de la 11e journée. Soyez bénis, Itra, sois béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Merci Jésus, merci Jésus. Niki, sois béni. Blessing, sois béni. Voilà, dites-moi si vous m'entendez. Elodie, Inès, sois béni. Angèle. Soyez bénis, Géraldine, sois bénie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rachel, Aline, sois bénie. Voilà. Gloire à Dieu. Ok, d'accord. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Qui a la modération ce soir?
le modérateur, merci de mettre ton nom. Gloire à Dieu, Lucienne soit bénie. Shalom, shalom, shalom. Alors, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Partageons la vidéo, soyons des sycomores, soyons des évangélistes. Voilà une occasion d'évangéliser tes proches, d'évangéliser ta famille, d'évangéliser tes frères, tes sœurs, en leur envoyant tout simplement ce lien. Alors s'il te plaît, copie le lien, envoie le lien par WhatsApp à ta famille, envoie le lien sur Facebook, envoie le lien sur tous les réseaux sociaux que tu connais et que je ne connais pas. Envoie le lien à quelqu'un, soit un sycomore. Vous savez, Zachée était petit de taille, mais pour voir Jésus, il était monté sur un sycomore. Alléluia, bien que Jésus avait la capacité de le voir. Ok, solo, que le Seigneur te bénisse. Bien que Jésus avait la capacité de le voir, même s'il n'était pas monté sur un sycomore, mais le sycomore a permis à Zachée de voir Jésus. Zachée avait la taille économique, il est monté sur le sycomore pour bien voir Jésus. Donc cela manifestait et montrait sa foi. Grâce au sycomore, il a vu Jésus. Alors toi aussi, sois un sycomore. Sois un sycomore. Ton partage peut permettre à quelqu'un de monter et de voir Jésus. Ton partage peut permettre à quelqu'un de monter sur le pont que tu es et de rencontrer Jésus. Ton partage peut permettre à une personne de donner sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Josette, sois bénie, sois fortifiée. J'espère que ça va mieux. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eliakim, sois béni. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce soir. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tendre Père de gloire, nous te bénissons encore ce soir. Merci Père pour cette quatrième session que tu nous accordes, ô Dieu, d'être devant le trône de ta grâce. Seigneur, pour nous, c'est un privilège. Pour nous, Seigneur, c'est une faveur. Pour nous, c'est une grâce. Pour nous, Seigneur, ô Dieu, c'est quelque chose de grand que d'être devant le trône de ta grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir attirés à toi. Merci de ne pas avoir permis à nos cœurs d'être ailleurs. Merci, Seigneur, de ne pas avoir permis à nos cœurs d'être attirés par autre chose. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis et de nous avoir attirés à toi. Merci d'avoir touché nos cœurs afin que nous puissions être là ce soir. Nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, nous venons encore te confier cette session de prière entre tes mains. Que tu en prennes le contrôle et que le Saint-Esprit soit le maître, le directeur, que le Saint-Esprit soit le conducteur, que le Saint-Esprit soit l'inspirateur, que le Saint-Esprit soit celui qui va encore conduire ce temps de prière. Je prie, ô Seigneur, que les anges de Dieu soient relâchés. Que les anges de Dieu soient relâchés dans la vie de chaque personne, dans chaque pays, de partout dans le monde, dans chaque maison qui est connectée sur cette session de prière. Que les anges soient relâchés sur leur vie, Seigneur, ce soir au nom de Jésus. Fais-nous encore du bien. Oh Seigneur, nous sommes dans la joie parce que à chaque fois que nous rentrons dans ta présence, à chaque fois que nous nous connectons dans ta présence, Seigneur, chaque session a une grâce particulière. Chaque prière a une grâce particulière. Chaque approche que nous faisons devant le trône de ta grâce a une puissance particulière. Chaque prière a un miracle particulier. Chaque prière a un feu particulier. C'est pour cela que nous te bénissons, parce que tu n'es pas un homme. Même si tous les jours nous prions, mais tous les jours tu nous donnes des choses différentes. Tous les jours tu nous donnes une nouvelle grâce. Tu nous donnes une nouvelle faveur. Tu nous donnes une nouvelle restauration. Même si on dit les mêmes mots, même si on dit les mêmes phrases, même si on fait la même prière, même si ça a l'air d'être cyclique, même si ça a l'air d'être quelque chose qui fait toujours la boucle, la même chose, même si ça a l'air d'être répétitive, mais nous savons que tu nous donnes une nouvelle faveur, une nouvelle miséricorde, une nouvelle grâce, un nouveau miracle. Seigneur, tu nous donnes toujours quelque chose de nouveau parce que tu es El Shaddai, celui qui ne manque pas de quoi donner à ses enfants. Tu es El Shaddai, celui qui ne manque pas de quoi nourrir ses enfants. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est pour cela que nous te bénissons. Peu importe, Seigneur, même si on dit la même chose, mais nous sommes dans la joie parce que tu nous donnes tant de choses que nous ne voyons même pas, que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas mesurer. Mais Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce privilège et pour cette grâce. Sécurise ce temps de prière par ton sang précieux et que tu nous fasses encore du bien ce soir, dans ton amour et dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alors, Chancel Goyan. Chancel Goyan, je pense que tu es du côté de Lyon. Fais un effort un jour que tu viennes ici à Paris. Voilà, il faut que tu viennes ici à Paris. Je dois prier pour toi en présentiel. Fais un effort un jour de venir ici à Paris, de monter, voilà, en Île-de-France pour que je puisse prier pour toi. Shalom Madeleine, que le Seigneur te bénisse. C'est très, très important. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis, Jean-Louis, sois béni. Gloire à Dieu. Alors, je rappelle que demain, nous aurons notre culte à partir de 11h. Soyez là. Soyez en présentiel. C'est très important d'être en présentiel. Donc, demain à 11h, nous sommes au 1 rue, je vous le mets ici, 1 rue Fernand Reynaud, la zone industrielle de la Port Paris, 91100 Corbeil-Essonnes. À partir de la gare de Lyon, vous prenez la ligne D, direction Malesherbes ou Corbeil-Essonnes, et vous descendez à Corbeil-Essonnes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'espère que vous êtes bien reposés. Et ce soir, j'avais promis qu'on allait parler des dons spirituels, mais vu qu'on a eu un petit souci avec la session de 18h, on n'était pas là. Donc, ce qui fait que ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier. Amen. On n'a pas eu le temps de vraiment faire la session de 18h, donc on va prier. On va prier ce soir pour rattraper la session de 18h. Donc, je ne pourrai pas donner cet enseignement que je voulais donner sur les dons spirituels. On le fera plus tard, peut-être à l'église en présentiel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, ce soir, nous voulons prier. Et notre thème, notre sous-thème, amen. Je rappelle toujours notre thème. Notre thème, c'est « Donne-nous du repos ». Que 2022 soit l'année du repos, l'année de la stabilité, l'année de la faveur, l'année de la restauration, l'année qui te fait rattraper toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles, l'année où l'Éternel te met au large, l'année où l'Éternel te fait bénéficier de la protection divine, quel que soit de ce qui va advenir dans le monde, quel que soit de ce qui arrivera, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau, quels que soient les niveaux, tout ce qui va advenir ou subvenir, au moins dans l'année 2022, toi tu seras mis au large parce que tu as prié pour ton année 2022. C'est pour cela que nous voulons soumettre les quatre vents de 2022. Nous voulons soumettre, amen, et nous avons mis une offrande prophétique pour soumettre, c'est-à-dire pour dominer sur les quatre vents de 2022. Ce qui veut dire que tu vas bénéficier de la grâce de Dieu, des vents divins, plutôt des vents divins, un vent, des vents divins. Tu vas bénéficier des vents divins, c'est-à-dire le vent, tu auras la bénédiction du vent du nord, tu auras la bénédiction du vent de l'est, tu auras la bénédiction du vent de l'ouest, tu auras la bénédiction du vent du sud. Amen. La bénédiction des quatre vents. Mais il faut savoir que le diable copie toujours ce que Dieu fait. Il faut savoir que dans le spirituel, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, le diable ramène toujours l'opposé de cette chose. Le diable ramène toujours le contraire de cette chose. Ce qui veut dire que s'il y a les quatre vents rédempteurs ou encore les quatre vents restaurateurs, on va les appeler comme ça, les quatre vents restaurateurs, les quatre vents de délivrance, les quatre vents de bénédiction, les quatre vents de Dieu, ce qui veut dire que le diable aussi prévoit maintenant des quatre vents destructeurs. Le diable ramène des vents destructeurs, ce qui veut dire que dans les quatre coins de la terre, il y a des anges que Dieu a placés pour retenir les vents ou encore pour envoyer des vents. De la même manière, dans les quatre coins de la terre, le diable aussi a mis des démons. Le contraire des anges, c'est les démons. Amen. Le contraire des anges, c'est les démons. Je répète encore ce que je venais de dire. Je répète lentement pour que vous puissiez comprendre. Quand Dieu place quatre anges aux quatre coins de la terre pour ramener des bonnes choses, quand Dieu place quatre vents aux quatre coins de la terre pour amener des bénédictions, des délivrances, pour amener des provisions, pour amener tant de bonnes choses, le diable aussi place quatre démons. Le contraire des anges, c'est les démons. Il place quatre,
démons aussi dans les quatre vents, dans les quatre coins de la terre, pour que ces démons, ces esprits méchants puissent envoyer des vents contraires. C'est ce qu'on appelle le vent contraire. Le vent qui est contraire à la bénédiction, c'est le vent de la destruction. Le vent qui est contraire à la guérison, c'est le vent de la maladie. Le diable ramène autre chose. C'est pour cela, quand tu donnes ton offrande sur les quatre vents, tu es en train de soumettre. Quand le diable veut lever un vent contre toi, il y a un autel qui a été dressé là. Ce vent ne va pas te toucher. Quand le diable voudra utiliser le vent du sud pour te faire du mal, il ne pourra pas te toucher parce que tu as placé un autel sur ce vent. Quand le diable voudra utiliser quelque chose contre toi, il ne pourra pas te toucher. Et quand le vent de la bénédiction voudra se lever sur toi, ça viendra parce que ça reconnaît quelque chose que tu as fait. Tu as fait un acte prophétique. Amen. Tu as fait un acte prophétique. C'est pour cela que je parle de 22 fois 4 vents. C'est-à-dire, tu soumets les vents de 2022. Tu soumets les 4 vents de 2022. Tu reçois les vents de bénédiction et tu soumets et tu domines sur les vents contraires dans le nom de Jésus. Je pense que ça a été clair et je déclare que ça sera ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus. Et tu peux le doubler, tu peux doubler fois 2, tu peux doubler fois 3, tu peux doubler fois 4, tu peux doubler fois 5, comme tu veux. Mais dès que tu comprends ce principe, si tu comprends tout simplement ce principe, ça suffit, alors tu peux donner ton offrande. Maintenant, si tu n'as pas 88, bien-aimé, ce n'est pas un problème, donne ce que tu as par la foi, Dieu t'accordera aussi la grâce. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que j'ai bien expliqué, que vous avez compris le principe de l'offrande prophétique de ce jeûne et prière. Gloire à Dieu. C'est pour cela, ce soir, nous voulons prier sur un sous-thème qui est « Je reçois le feu du Saint-Esprit ». Écris avec moi « Je reçois le feu du Saint-Esprit ». Je reçois le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu dois recevoir le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le feu du Saint-Esprit? Le feu du Saint-Esprit, c'est la puissance. Amen. Le feu du Saint-Esprit, c'est la puissance. En fait, c'est la puissance qui te permet d'accomplir une mission ou encore la mission que Dieu t'a donnée. C'est la puissance qui te permet d'accomplir ce que tu fais. C'est la puissance qui te permet d'accomplir ta destinée. C'est la puissance qui te permet d'accomplir ce que Dieu a mis en toi pour maintenant rentrer dans l'accomplissement. Parce que tu peux avoir un don, tu peux avoir un talent, tu peux avoir une capacité, mais tu n'as pas la force d'accomplir. Vous voyez? Tu n'as pas la force d'accomplir cette mission. Tu n'as pas la force de passer à l'acte. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui manque. Tu as besoin du feu. Nous devons servir Dieu avec le feu de l'Esprit. Nous devons aimer Dieu avec le feu de l'Esprit. Et ce feu, c'est ce feu qui te donne aussi la force de la consécration. Quand un péché veut brûler en toi, parce que quand le péché vient, il brûle dans notre chair, il commence à parler, il va vouloir monter, mais parce que le feu de l'Esprit est en toi, le feu du Saint-Esprit va assujettir tout péché, toute envie contraire, toute œuvre de la chair qui essaie de se réveiller en toi, le feu du Saint-Esprit. Tu vas voir que quand tu veux tomber dans le péché, ou si tu es tombé dans le péché, ce feu qui est en toi va tellement te mettre mal à l'aise que tu vas te repentir aussitôt. Amen. Tu vas te repentir aussitôt. Tu ne permettras pas au soleil de dormir sur ton péché. Tu ne permettras pas au soleil de se coucher sur ton problème. Tu ne permettras pas au soleil de se coucher sur cette situation. Ce feu va tellement brûler en toi que tu vas demander pardon au Seigneur et te repentir. Amen. Te repentir et te détourner de tes mauvaises voies. C'est pour cela, le feu est très, très important. Très, très important. C'est le feu qui permet que tu puisses être connecté sur chaque session. C'est le feu. Le feu du Saint-Esprit fait la différence. Ce feu nous donne l'audace de prêcher la parole. L'audace de parler de Jésus. On n'a pas honte de dire que nous sommes de Jésus. On n'a pas honte de parler de Christ. On n'a pas honte de montrer notre identité. Que je sois au travail, je n'aurai pas honte de dire que je suis chrétien. Parce que ce feu est en moi, ça brûle tellement en moi que je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça brûle tellement en moi que je ne peux pas me cacher. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas cacher un feu. On ne peut pas cacher un feu. Ça te brûle tellement qu'à un moment donné, ah, ça va sortir. C'est ce feu qui permet que tu ne supportes pas le péché. C'est ce feu qui va permettre, comme pour le psaume 1, qui va te permettre de ne pas t'asseoir
en compagnie des pécheurs, de t'asseoir en compagnie des méchants, de marcher avec les méchants. C'est ce feu qui fait cela. Alléluia. Tu ne vas pas marcher selon les conseils des méchants parce que les conseils des méchants vont déranger ton cœur. Les conseils des méchants vont déranger ton esprit. Parce qu'il y a un feu qui est en toi. Le feu de l'esprit va refuser les conseils des méchants. Le feu de l'esprit va refuser la voix du diable. Le feu de l'esprit qui est en toi va refuser. Et tu marcheras dans les voies de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes 2, 2 à 4. Actes chapitre 2, du verset 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Écris avec moi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écris avec moi, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, le Seigneur Jésus avait dit aux apôtres de rester à Jérusalem et d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Et d'attendre, il leur avait dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons que cette puissance, en fait, allait pousser les disciples, ou encore les apôtres, à aller plus loin dans leur mission. Ils allaient commencer à Jérusalem, ensuite dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils devaient attendre cette puissance. Et les apôtres ont attendu cette puissance en prière dans la chambre haute. Les apôtres ont attendu. Ils ne savaient même pas quand est-ce que ça allait arriver. Mais un jour, le feu est descendu sur eux. Et c'était le jour de la Pentecôte. Le feu est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours désirer une Pentecôte personnelle. Écris avec moi, je dois désirer la Pentecôte personnelle. Tu dois désirer une Pentecôte personnelle. Ce qui veut dire, il faut toujours désirer l'Esprit. Il faut toujours désirer le feu du Saint-Esprit, personnellement dans ta vie. Tu dois toujours désirer que ce feu soit toujours là. Tu dois t'assurer que ce feu soit toujours allumé, que ce feu ne s'éteigne point. Tu dois avoir ce feu en toi. Tu dois toujours ranimer ce feu, raviver ce feu. Tu dois toujours, toujours, toujours avoir ce feu. Amen. Le feu était descendu sur eux et nous connaissons la suite. C'est là où nous lisons tout à coup, il vint du ciel, etc., etc. La Bible dit maintenant, la Bible dit au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le feu te remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Et se mirent à parler en d'autres langues. Il y a une phrase qui m'intéresse, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut que tu t'exprimes en quelque chose. Écris avec moi, le Saint-Esprit veut que je m'exprime. Le Saint-Esprit veut que je m'exprime. Il est écrit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, chacun avait une particularité. La manière dont l'Esprit va te dire de s'exprimer n'est pas la même manière que l'Esprit me dira à moi de m'exprimer. Chacun a une portion personnelle, individuelle, particulière. Amen. Chacun a une touche personnelle. Le Saint-Esprit, quand il vient, il donne à chacun une touche personnelle. Alléluia. Il y aura une touche personnelle. Vous pouvez être 10 prédicateurs, mais chacun aura une touche personnelle. Vous pouvez être 9 ou 11 intercesseurs, mais chacun aura une touche personnelle, la touche du Saint-Esprit. On peut tous aller évangéliser, mais chacun aura une touche personnelle. Le Saint-Esprit donne à chacun une particularité. Une particularité, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors que nous rentrons en 2022, bientôt, le Saint-Esprit veut que tu t'exprimes. Alléluia, d'une certaine manière en 2022. Le Saint-Esprit te fera exprimer. Ça peut être dans n'importe quel domaine. En fait, il faut savoir que tout le monde n'est pas obligé de parler en langue. Amen. Tout le monde ne parle pas en langue. Il y a des personnes qui parlent en langue, d'autres ne parlent pas en langue. Mais d'autres personnes ont d'autres dons. L'un peut parler en langue parce que la langue est un don. L'un peut parler en langue, l'autre peut avoir le don de parole de connaissance.
L'un peut parler en langue, l'autre peut avoir le don, bien aimé, le don peut-être de foi ou encore le don de révélation. L'autre, ça dépend. Amen, ça dépend. Chacun reçoit une portion de l'esprit, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et je prie qu'en 2022, que le Saint-Esprit te donne quelque chose qui te permettra de t'exprimer au nom de Jésus. Que le feu de l'esprit te donne quelque chose qui te permettra de t'exprimer. Que le Saint-Esprit ranime ou ravive le feu qui est en toi. Que l'allumette du Saint-Esprit puisse allumer l'allumette qui est dans ton cœur. Chacun de nous, imaginez, vous avez une allumette en vous. Mais cette allumette a besoin d'être allumée. Cette allumette a besoin de recevoir le feu. Je peux avoir une allumette sur ma main gauche. Mais si je ne mets pas le feu ou si je ne mets pas cette allumette en contact de ce qui peut l'allumer, l'allumette sera là, mais le feu ne viendra pas. L'allumette sera là, mais le feu ne viendra pas. J'ai l'allumette en moi, mais mon allumette a besoin d'un feu déclencheur. Le feu du Saint-Esprit va déclencher l'allumette qui est en toi. Le feu du Saint-Esprit va allumer l'allumette qui est en toi. Il y a quelque chose. Le Saint-Esprit veut que chacun de nous, que chaque personne puisse s'exprimer selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut que tu t'exprimes. Le Saint-Esprit veut que tu t'exprimes. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, depuis 1945, la guerre est terminée. La Deuxième Guerre mondiale était déjà terminée. Tu dois maintenant t'exprimer. Tu dois t'exprimer. Or, pour t'exprimer, tu dois désirer la Pentecôte personnelle. Tu dois désirer qu'il te touche personnellement. Tu dois désirer de recevoir ce feu personnellement. Tu dois désirer. Alléluia. Tu dois désirer. Il y a quelque chose qui est en toi qui doit s'exprimer. Quelque chose qui est en toi qui doit s'exprimer. Alléluia. Quelque chose qui est en toi qui doit s'exprimer. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous les mêmes dons, mais il y a quelque chose qui est en toi. Même si on prend 5 personnes qui ont le don de guérison, mais chacun a sa manière, chacun a une touche spéciale. Ils ne seront jamais pareils, ce n'est pas vrai. Chacun a une particularité. L'autre, quand il va prier pour un malade, va peut-être dire « Oh Yahweh Elohim ». L'autre, quand il va prier, le deuxième, quand il va prier pour le malade, va dire « Oh Dieu le guérisseur, descends maintenant. » Que l'onction de la guérison descend. L'autre, quand il va prier, va dire, va commencer peut-être par la langue. Rabababababa. Chacun aura une touche personnelle. Mais le plus important est que tu t'exprimes selon l'esprit. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pour cela dans la maison de Dieu, dans l'église, tu ne peux pas t'asseoir sans t'exprimer. Le Saint-Esprit va te pousser à t'exprimer dans quelque chose. Le Saint-Esprit va t'aider à t'exprimer dans quelque chose. Tu vas t'exprimer. Amen. Tu vas t'exprimer. Tu vas t'exprimer. C'est un don. Quand quelque chose est un don, tu le fais facilement. Tu le fais avec joie. Tu ne forces pas. Tu le fais tellement avec joie. On ne va pas te forcer. On te dit de faire, tu boudes. Non. Ça sera tellement naturel pour toi. Tu vas prendre plaisir à faire cela parce que c'est l'Esprit qui t'a donné cela. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes au 21e siècle. Les challenges de l'Église ont changé. Hein? Les challenges de l'Église ont changé. C'est-à-dire, nous n'avons plus les mêmes défis. Le défi de l'Église du 1er siècle et le défi de l'Église du 21e siècle aujourd'hui n'est pas pareil. Aujourd'hui, il faut l'administratif. Aujourd'hui, il faut tout ce qui est comptabilité. Aujourd'hui, il faut déclarer peut-être les impôts. Aujourd'hui, il faut le côté spirituel, mais aussi le côté administratif. Il faut les deux. Les deux doivent aller ensemble. Peut-être l'église des Pierre à l'époque, il n'y avait pas trop besoin d'administratif, quoique il y a des gens qui étaient mis en place pour partager la nourriture, pour tenir l'argent, tout ça. Mais aujourd'hui, les défis sont encore plus. Ça veut dire que dans l'église, le Saint-Esprit va aussi donner la capacité aux gens de gérer peut-être les finances. Donner la capacité aux gens de gérer le côté administratif. Donner la capacité aux gens de gérer le côté visuel, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la technologie. Donner la capacité aux gens de tenir les instruments. C'est-à-dire, chacun a un don. À l'époque de Moïse, quand Dieu donne à Moïse le modèle du tabernacle, Dieu dit, j'ai oint Bezalel pour l'œuvre. C'est lui qui va construire tous les ustensiles du tabernacle. Dieu avait oint Bezalel par le Saint-Esprit. L'Esprit était tombé sur Bezalel pour que lui, il puisse construire le tabernacle. Moïse en a reçu le modèle, mais ce sont les autres qui ont construit. Ce n'est pas Moïse qui a construit, parce que Moïse n'était pas un constructeur. Amen. Moïse n'était pas un constructeur.
Noé avait reçu l'architecture de l'arche, lui-même il a construit. Mais au temps de Moïse, Moïse, lui, il a reçu l'architecture ou le modèle du tabernacle, mais ce n'est pas lui qui avait construit. Dieu avait choisi des hommes et des femmes qu'il avait oint par le Saint-Esprit pour la construction. Donc même en ce qui concerne la maçonnerie, l'architecture de l'époque, l'architecte était oint par l'Esprit. Oh, l'architecte était oint par l'Esprit. Grâce SM me demande, maman, comment reconnaître son don pour travailler dans l'église. J'avais expliqué ça à midi. Je ne sais pas si tu étais là. Voilà. Dieu avait choisi des gens qui devaient faire, même pour l'huile d'onction, Dieu avait choisi des personnes. Il a dit, l'huile d'onction doit être faite selon l'art du parfumeur. Il y a des personnes qui étaient douées en parfum, on les appelait des parfumeurs. C'est eux qui faisaient l'huile d'onction selon le modèle que Dieu avait donné. Donc aujourd'hui, tu peux être dans l'église, mais tu as le don dans l'administratif. Vous voyez, dans l'administratif. Exemple, bien aimé, si je prends moi, l'administratif, ce n'est pas trop mon dada. Vraiment, Mais je sais que s'il y a un problème administratif, j'envoie Madeleine. Elle va le faire très très bien et ça sera bien fait. Moi, ça peut prendre 2 semaines. Mais elle peut-être, en une journée seulement, tu as la réponse et elle a réglé le truc. C'est son don. Amen. C'est son don. Si tu as un problème, si j'ai un problème administratif par rapport à l'église ou quoi, je lui dis, voilà, il y a ça. Dans la journée ou 2 jours après, j'ai la solution. Mais si c'est moi-même qui me bats seulement, bon, on va chercher à faire ça. Je vais attendre 2 semaines, 1 mois, même des fois je peux abandonner. Parce que c'est pas mon truc. Vous voyez, l'administratif, c'est pas mon truc. Le Saint-Esprit va oindre des gens dans l'église pour ça. Le Saint-Esprit va oindre les gens dans l'église pour la guérison. Il va peut-être oindre les gens aussi dans l'église pour autre chose, pour le profit. En fait, l'Esprit va permettre à chacun de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit a mis quelque chose en toi par laquelle tu dois t'exprimer. Quelqu'un m'a posé la question, comment savoir? Oh, tu le sauras. Tu le sauras. J'ai toujours dit, commence par tes prédispositions naturelles. Au travers de tes prédispositions naturelles, tu peux connaître exactement les prédispositions spirituelles. Jésus dit à Pierre, tu es pêcheur d'hommes, tu es pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Pierre, tu es pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. De sa prédisposition naturelle, le Seigneur a emmené ça dans le spirituel. Tu es pêcheur d'hommes, tu es pêcheur professionnel. Suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Amen. C'est par rapport à sa prédisposition naturelle. Le Seigneur Jésus a fait de Pierre un évangéliste, un apôtre, un pêcheur d'hommes. Vous voyez, commencez par vos prédispositions naturelles. Au travers de ça déjà, vous allez commencer à savoir. C'est très simple, vous allez commencer à savoir. Parce que tout commence par les prédispositions naturelles. Je vais vous choquer. Si vous prenez les voyants, ceux qui lisent les tarots, ceux qui lisent les lignes des mains, toutes ces personnes qui sont féticheurs, tous ces gens-là, en réalité, ces personnes-là ont des dons prophétiques. Les voyants que vous voyez là, ces personnes-là sont des gens qui ont des dons prophétiques en réalité. Mais le diable les a détournés. Au lieu que ce don serve pour Dieu, ce don maintenant sert pour le diable. Tout simplement. Ce don sert pour le diable. Au lieu que leur don de révélation, leur don de vision soit pour la gloire de Dieu, leur don de vision maintenant c'est pour le diable. Au lieu que ce qu'ils voient vienne du Saint-Esprit, ce qu'ils voient vienne des morts, ce qu'ils voient vienne de Satan, ce qu'ils voient vienne des démons, tout simplement. Mais en réalité, ils ont été appelés à la voyance. Ils ont été appelés à être dans le monde prophétique. Ils ont été appelés prophètes. À part qu'ils servent un autre Dieu, tout simplement. Amen, tout simplement. Quand vous voyez quelqu'un qui drague beaucoup, un homme qui aime bien draguer. Il drague ici, il va dans l'autre ville, il drague là-bas. Il ne peut pas s'empêcher de draguer. C'est vraiment un dragueur. Et en plus, la personne a l'art de parler. C'est-à-dire, il a vraiment... Quand il parle, tu dois être convaincu. Quand il parle, il te bouscule la tête. Quand il parle, si tu es une femme, tu restes, tu dis oui. Franchement, ce monsieur a parlé. Quand il parle, si tu n'es pas fort, tu peux tomber. Donc, quelqu'un qui drague partout. Cette personne-là,
si elle se convertit et qu'elle devient enfant de Dieu, et cette personne peut devenir un gagneur d'âme. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une prédisposition naturelle à beaucoup parler et à convaincre. Donc, dans le monde séculier, cette personne peut être un bon commercial parce qu'il a, il a l'art de parler. Il peut être un bon commercial. Donc, quand il vend quelque chose, il peut te vendre tout et n'importe quoi, même quelque chose qui n'a pas de valeur parce qu'il a l'art de parler, de convaincre. Il peut te vendre ça à 100 euros. Quelque chose qui coûte peut-être 10 euros, mais te vend à 100 euros. Il te convainc que ça coûte 100 euros, ça vient des États-Unis, tu vois, c'est une pièce rare. Il te raconte des conneries et de voilà, tout ce que tu veux. Et tu achètes. Il a l'art de parler. Cette personne, quand il va accepter le Seigneur, reconnaître son péché, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, donner complètement sa vie au Seigneur, parce que dans sa bouche, il y a la prédisposition à convaincre et à parler, il va automatiquement, vous allez voir, se mettre dans l'évangélisation, dans le gagnement des âmes. Il va commencer à gagner les âmes. Quand il parlera, le Saint-Esprit va utiliser l'art de parler qu'il a pour convaincre des âmes à venir au Seigneur. Vous voyez? Pour convaincre des âmes à venir au Seigneur. Donc, tout commence par la prédisposition naturelle. Comment, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes naturellement? Qu'est-ce que tu aimes? Il faut déjà savoir qu'est-ce que tu aimes naturellement. Quelles sont les choses que tu aimes? Les choses que tu fais facilement? Les choses que tu fais avec plaisir? Les choses que tu fais avec joie? Qu'est-ce que tu fais avec joie? Parce que le don, on ne le force pas. On le fait naturellement avec joie. C'est pour cela que vous allez voir les gens qui travaillent dans la santé, les infirmiers, tout ce qui est infirmier, aide-soignant, médecin, tous ces gens-là, ils ont la prédisposition même dans l'église, dans la guérison divine. C'est-à-dire, quand on fait les délivrances ou quand quelqu'un est malade, la personne a la compassion naturelle. Il ne va pas supporter que la personne souffre autant. Donc, cette prédisposition naturelle de compassion va le pousser à prier pour le malade, pour que le malade soit guéri. Parce que la guérison ne vient que par la compassion. Il va prier, il va avoir tendance à porter le fardeau des autres. À l'hôpital, il doit donner une ordonnance. À l'hôpital, il doit administrer des piqûres. À l'hôpital, il doit donner un traitement. Mais à l'église, son cœur va faire mal de voir quelqu'un souffrir ou être tourmenté par des démons, être malade. C'est-à-dire, à l'église, le don va commencer à sortir. Ça sera l'intercession, prier pour les malades, la guérison divine. Et peut-être une personne comme ça peut se retrouver facilement dans la guérison divine. Parmi l'équipe qui s'occupe des guérisons divines. Parce qu'il a cette compassion-là. Cette compassion-là. Tout commence par le naturel. Donc, dis-moi qu'est-ce que tu aimes. Il se peut qu'à 90%, parce que tu aimes, le Saint-Esprit va l'utiliser maintenant pour son œuvre. Amen. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. C'est pour cela que tu dois recevoir le feu du Saint-Esprit. Écris avec moi, je reçois le feu du Saint-Esprit. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Que 2022 soit une année excellente, une année différente, une année puissante, une année où tu ne fais pas les choses comme tu as toujours fait. Une année où tu vas faire les choses différemment, où le feu de l'esprit va briller en toi, où le feu de l'esprit va encore agir en toi, où le feu de l'esprit va se manifester, qui ne sera pas caché, mais il sera vu. Amen. Où le feu de l'esprit sera vu. C'est pour cela, je vous donne un conseil. Faites attention. Attention à ce que le diable met dans vos cœurs. Attention aux choses contraires à la parole de Dieu. Attention à l'orgueil. Attention à la colère. Quelqu'un qui est souvent colérique, quand tu vois que tu es toujours en colère, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je refuse d'être en colère pour les choses de la terre. Donne-moi la colère pour le péché. C'est tout. Deviens colérique contre le péché. C'est-à-dire ne supporte pas le péché. Ne supporte pas et commence à évangéliser pour que les gens arrêtent le péché, pour que les gens viennent au Seigneur. C'est tout. Change la direction de ta colère. Change la direction de ta colère. Et demandez surtout au Seigneur de vous donner de l'amour, qu'il remplisse vos cœurs d'amour et de compassion. Qu'il remplisse vos cœurs. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Si tu demandes au Seigneur de l'amour, de la compassion, de la pureté, de l'amour, de la compassion, de la pureté, Dieu va te mettre dans ta... Plutôt, le Saint-Esprit va te mettre maintenant sur le chemin de ta destinée. Il va te mettre dans ton don. Il va te positionner parce qu'il voit que tu seras déjà prêt. Parce que tous les dons, tout ce que nous avons comme dons, fonctionnent dans l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prêcher avec la colère. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prêcher. C'est parce que j'ai l'amour dans mon cœur que je prends mon matériel et que je me connecte pour vous prêcher. Peut-être que j'étais fatiguée tout à l'heure. En plus, je dormais tout à l'heure. Si je n'avais pas l'amour, je dirais, je suis fatiguée.
je suis fatigué, on fera demain matin. Et puis tu dis, bon, on fera demain matin. Parce que, mais tout ce que le Saint-Esprit te donne comme don doit nager dans l'amour. Sinon, ce n'est pas possible, tu vas te fatiguer. Sinon, il y aurait des pasteurs qui vont dire, je ferme l'église, je suis fatigué, parce que vraiment les fidèles sont fatigants. Les fidèles sont compliqués, me fatiguent, je suis fatigué, enferme l'église. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que tout ce qu'ils font, ils le font par amour. On est prophète par l'amour. On est docteur, on enseigne par amour. On est pasteur par amour. Le pasteur a la patience. Un fidèle qui t'insulte, qui te fatigue. Mais tu es toujours derrière pour lui dire, ma soeur, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Amen. L'amour. Le don fonctionne avec l'amour. S'il n'y a pas l'amour, le don ne peut pas fonctionner. Tu vas abandonner. S'il n'y a pas l'amour, les gens vont dire, oh, j'abandonne, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je laisse tomber, je n'en peux plus, on n'en parle plus, ce n'est pas la peine. Tu as le don de révélation, exemple, tu as un don de révélation, tu reçois une révélation pour quelqu'un et tu vas dire à la personne, voilà ce que j'ai reçu, tout. Et après la personne t'insulte, lui il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il a venu me dire, la révélation, il croit. Si tu n'as pas l'amour, tu vas dire, ah, plus jamais, je ne donnerai plus jamais la révélation à quelqu'un parce que j'ai rêvé pour lui, je lui dis et il se fâche. Vous voyez? Ou encore, si tu as le don de libéralité, tu aimes bien faire du bien aux gens. Tu prends un vêtement, tu achètes pour quelqu'un. Mon frère, je t'ai acheté une chemise. Et le frère prend la chemise. Un, il t'insulte. Deux, il dénigre ta chemise. Trois, en fait, le bien que tu as fait, il t'insulte encore. Si tu n'as pas l'amour, tu ne feras plus. Ça va bloquer ton don. Terminé. Tu n'auras pas le don de libéralité. Parce que la libéralité aussi est un don. Tu ne vas plus donner. Tu vas dire, oh, je laisse tomber. Ce n'est pas la peine. En fait, tout ce que nous faisons se fait dans l'amour. Sans l'amour, c'est impossible. Impossible. On doit servir Dieu dans l'amour. C'est pour ça qu'il faut demander l'amour, la compassion, la pureté. L'amour, la compassion, la pureté. L'amour, la compassion, la pureté. L'amour est au-dessus de tout. Un prédicateur qui prêche avec colère va commencer à insulter les gens. Il prêche, il dit, vous là, vous allez voir, Dieu va vous maudire. Oh, parce qu'il n'a pas l'amour. Donc il force. Il n'a pas l'amour. Ou encore un responsable de service à l'église qui n'a pas l'amour va commencer à fatiguer les gens parce qu'il n'a pas l'amour. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit le faire par amour. On doit avoir l'amour. Si tu es connecté aujourd'hui, c'est parce que tu as l'amour. Tu aimes Dieu. Sinon, tu seras en train de dormir, de te reposer, de faire autre chose ou de regarder, je ne sais pas, apparemment il y a Miss France aujourd'hui. Tu allais regarder la cérémonie de Miss France là aujourd'hui, savoir qui est Miss France, qui est nommée Miss France. Tu n'allais pas te connecter là. Si tu n'as pas l'amour, tu ne prendras pas tes unités pour charger ton téléphone juste pour faire la prière. C'est parce que tu as l'amour. Tout passe par l'amour. Tout passe par l'amour. Sinon, personne ne fera quoi que ce soit. Personne. C'est pour cela que vous devez avoir de l'amour. Compassion, pureté. L'amour, la compassion, la pureté. L'amour, la demander que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'amour. Et vous aurez tout gagné. Vous aurez tout gagné et le don va maintenant sortir. Parce que l'esprit saura que s'il vous met à suivre quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui vous fatigue, qui peut vous fatiguer, mais l'amour que vous avez fera en sorte que vous puissiez supporter la personne. Parce que la Bible dit, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne point le mal. Je prie pour toi, mais on me dit que tu as mal parlé de moi. Je dois avoir l'amour pour ne pas soupçonner. Même si tu l'avais dit, mais parce que j'ai l'amour et que je ne soupçonne pas, les choses vont bien se passer. Mais si je commence à dire, pourquoi elle a mal parlé de moi? Pourquoi cette personne est partie mal parler de moi? Et pourtant, je prie pour elle. Je prends mon temps. Je risque de bloquer mon don. Amen. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne fait point du mal aux autres. L'amour ne cherche point son intérêt. Le don que j'ai, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour mon intérêt. C'est pour les autres. L'amour ne cherche point son intérêt. Je ne chercherai pas mon intérêt, mais j'aurai de l'amour. Je veux l'intérêt de l'autre. Donc, tout passe par l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, je reçois le feu du Saint-Esprit. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons aller directement dans les sujets puisque l'heure est déjà avancée. Je ne devais pas beaucoup parler, mais je comprends. Jamais. À chaque fois que je dis ça, je parle beaucoup. Comme me dit ma fille Violette, quand tu dis que tu ne vas pas beaucoup parler, tu parles quand même. Donc, je ne dirai plus ça. Je vais faire un effort. Ouh là là là. Ça sera difficile quand même. Hein?
Gloire à Dieu. Nous allons aller directement, comme il est déjà 23h45, il nous reste 15 minutes. Nous allons directement dans les sujets en ce qui concerne le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors tu vas dire avec moi. Tendre Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit qui me conduit. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi. Merci pour le Saint-Esprit qui me fait du bien. Merci pour le Saint-Esprit qui me connaît. Et merci pour le Saint-Esprit qui est mon consolateur. Commence à dire merci au Père pour le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Dis merci au Père pour le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis merci au Père pour le Saint-Esprit. Dis merci au Père pour le Saint-Esprit. Dis merci au Père pour le Saint-Esprit. Alléluia. Dis merci au Père pour le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Saint-Esprit. Père, merci. Père, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Merci pour le Saint-Esprit qui me connaît. Merci pour le Saint-Esprit qui est mon consolateur. Merci pour le Saint-Esprit qui est la lumière de ma vie. Merci pour le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité. Merci pour le Saint-Esprit qui garantit mon éternité. Merci pour le Saint-Esprit qui me remplit de révélations. Merci Père pour l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Je te bénis, je te loue, je t'exalte. Je te magnifie. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence, mon Père. Je te bénis encore ce soir. Oh, alors que 2022 arrive à grands pas, je refuse d'être sans le Saint-Esprit. Je refuse d'être loin du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit me conduise. Je veux que le Saint-Esprit me remplisse. Je veux que le Saint-Esprit me baptise du feu. Je veux que le Saint-Esprit me fasse du bien. Saint-Esprit, merci mon Père. Merci mon Père pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci mon Père pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci mon Père pour l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit, méchants que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison si vous demandez le Saint-Esprit au Père, ne vous le donnera-t-il pas? Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci d'avoir fait de moi ton temple. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi et tu vas dire, feu du Saint-Esprit, enveloppe mon cœur, alléluia, enveloppe mon cœur, enveloppe mon âme, enveloppe mon esprit, ou encore enveloppe mon corps, mon âme et mon esprit, pour une délivrance complète, pour une restauration complète, pour un repos complet dans le nom de Jésus. Demande au feu du Saint-Esprit d'envelopper ton corps, ton âme et ton esprit, pour une délivrance complète, que tu sois complètement délivré. Délivré dans ton corps, délivré dans ton âme, délivré dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Demande le feu du Saint-Esprit. Désire la Pentecôte personnelle. Désire le feu personnel. Désire l'embrasement du Saint-Esprit. Désire le feu du Saint-Esprit ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Alors que je me tiens à la porte de minuit, enveloppe mon corps, mon âme et mon esprit pour une délivrance complète ce soir, au nom de Jésus. Oh, je désire une délivrance complète dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de mon être, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, que je sois complètement délivré, que je sois complètement restauré. Je veux recevoir ton feu, Saint-Esprit. Je veux recevoir ton feu, Saint-Esprit. Recevoir ton feu dans mon esprit. Recevoir ton feu dans mon âme. Recevoir ton feu dans mon corps. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et que 2022 soit l'année de la transformation complète. Que 2022 soit l'année de la restauration complète. Que 2022 soit l'année du feu de l'esprit dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh, je te désire, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Bien-aimé, alors que 2022 est l'année où nous demandons le repos, où nous voulons que l'Éternel nous fasse rentrer dans son repos, tu vas encore appeler le feu du Saint-Esprit.
Tu vas dire feu du Saint-Esprit. Alléluia. Purge maintenant. Purge mon corps, mon âme, mon esprit. Pour le repos total. Que le Saint-Esprit puisse purger ton corps, ton âme et ton esprit. Purger, c'est-à-dire enlever ce qui n'est pas de lui. Enlever ce qui ne glorifie pas Dieu. Enlever les mauvaises semences. Qu'il puisse purger. Enlever tout ce qu'il n'a pas planté en toi. Que le Saint-Esprit puisse purger. Que le feu de l'Esprit, le feu de la purification, puisse purger ton corps, ton âme et ton esprit pour le repos total. Que tu reçoives le repos dans toutes les dimensions de ton être. Que tu reçoives le repos dans toutes les dimensions de ton être. Dans le nom puissant de Jésus, ton corps a besoin de repos. Ton corps a besoin de repos. Que la maladie te quitte au nom de Jésus. Ton âme a besoin de repos. Oh, que la paix vienne dans ton âme. Dans le nom de Jésus. Que les tourments te quittent. Que la confusion te quitte. Que la peur te quitte. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, ton esprit a besoin de repos. Dans le nom puissant de Jésus, ton esprit a besoin de repos. Demande le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit puisse purger maintenant ton être entier. Que le feu du Saint-Esprit puisse purger ton être entier. Enlever ce qui n'est pas de lui. Enlever ce qu'il n'a pas semé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit, commence à purger. Feu du Saint-Esprit, commence à purger. Oh, feu du Saint-Esprit, purge maintenant. Purge maintenant. Oh, alléluia. Feu du Saint-Esprit, purge. Purge maintenant mon corps, mon âme et mon esprit. Commence à purger. Commence à purger pour le repos complet. Pour le repos total. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les tourments quittent ton âme. Que les tourments quittent ton âme. Dans le nom puissant de Jésus. Et que le repos de Dieu vienne dans ton âme. Que le repos de Dieu vienne dans ton esprit. Que le repos de l'esprit vienne dans ton corps dans le nom de Jésus. Que ton corps puisse connaître le repos. Trop de maladies. Trop de maladies. Que ton âme puisse connaître le repos. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin d'être protégé. Qu'en 2022, tu sois protégé. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit emmène aussi la protection divine. Le feu du Saint-Esprit emmène la protection divine. Que tous ceux qui se dressent contre toi, tout esprit qui se lève contre toi, toute puissance des ténèbres qui est en train de vouloir affronter ou confronter ta vie, oh, qu'ils soient confondus et dispersés par le feu du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu vas dire, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, oh, couvre mon corps pour une protection complète au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, couvre mon corps, que le feu du Saint-Esprit couvre ton corps, couvre le corps de tes enfants. Couvre, bien-aimé, le corps de ton époux. Couvre les corps des membres de ta famille. Que le feu du Saint-Esprit, en 2022, puisse vous couvrir. Feu du Saint-Esprit, couvre mon corps. Et que tous les fléaux de 2022 ne touchent pas mon corps. Que tous les fléaux de 2022 ne touchent pas mon corps. Ne touchent pas le corps de mes enfants. Ne touchent pas le corps de mon époux. Ne touchent pas le corps de mon pasteur. Ne touchent pas le corps de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, oh, commence à prier. Demande au feu du Saint-Esprit de couvrir ton corps par le vêtement de la protection divine. De couvrir le corps de tes enfants par le vêtement de la protection divine. Dans le nom puissant de Jésus. Et que 2022 soit l'année de la protection divine. Où le feu du Saint-Esprit te protège de tous côtés. Te donne le repos. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, oui, couvre ton corps pour une protection complète. Pour une protection complète. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois protégé en 2022 par le feu du Saint-Esprit et que toutes les flèches de ténèbres qui seront envoyées contre toi soient brûlées, puissent tomber par la puissance du feu de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du feu de l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Par la puissance du feu de l'Esprit, au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas encore prier. Alléluia. Feu du Saint-Esprit, transforme-moi en un feu pour la gloire de Dieu. Tu as besoin d'être transformé en un feu. Tu dois devenir un feu pour la gloire de Dieu. Tu dois devenir un feu. Je dis encore, tu dois devenir un feu pour la gloire de Dieu. Que le feu qui est en toi soit embrasé. Que le feu qui est en toi, alléluia,
Que le feu qui est en toi soit manifesté. Que l'allumette qui est en toi soit allumée au nom de Jésus. Dis au feu de l'Esprit, feu du Saint-Esprit, transforme ma vie, transforme-moi en un feu pour la gloire de Dieu. Transforme-moi, que je sois un feu. Si un méchant vient devant moi, qu'il trouve un feu. Si les ténèbres viennent devant moi, qu'il trouve un feu. Si les ténèbres viennent pour tenter ma vie, qu'il trouve un feu. Feu du Saint-Esprit, transforme-moi en un feu dans le nom de Jésus. Je désire être un feu. Transforme ma vie en un feu. Transforme ma maison en un feu. Transforme-moi en un feu. Et que 2022 soit l'année de mon repos. Transforme-moi en un feu dans le nom puissant de Jésus. 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 Commence à demander au feu du Saint-Esprit de te transformer en un feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois transformé en un feu. Feu du Saint-Esprit, transforme-moi en un feu. Que je devienne du feu. Que je devienne du feu devant mes adversaires. Que je devienne du feu devant ceux qui ne te connaissent pas. Que je devienne du feu devant les païens. Que je devienne du feu. Au nom puissant de Jésus, transforme-moi en un feu pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, transforme-moi en un feu pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être dans cette dimension. Je refuse de me contenter de cette dimension. Je refuse d'être froid. Je refuse de me contenter de cette dimension. Je veux devenir un feu pour ta gloire. Un feu pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Embrase-moi. Embrase-moi. Transforme-moi en un feu pour la gloire de Dieu. Transforme-moi en un feu pour la gloire de Dieu. Transforme-moi en un feu pour la gloire de Dieu. Transforme-moi en un feu pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, transforme-moi en un feu pour la gloire de Dieu. Demande au feu de l'Esprit de transformer ta vie en un feu. Bien-aimé, si dans la liste des ténèbres, on pouvait te voir, si on te voyait, si les sorciers pouvaient rentrer chez toi, maintenant qu'ils trouvent un feu, que tu te transformes en un feu, au nom puissant de Jésus, le feu qui détruit l'adversaire, le feu qui fait fuir l'adversaire, au nom puissant de Jésus, le feu qui fait fuir les ténèbres, au nom puissant de Jésus, que tu sois transformé en un feu, en un feu, en un feu. Un feu au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Reçois ce feu ce soir, reçois ce feu ce soir, au nom de Jésus, reçois ce feu ce soir, au nom de Jésus, reçois ce feu ce soir, dans le nom puissant de Jésus, reçois ce feu ce soir, au nom de Jésus, qui te transforme en un feu, au nom de Jésus. Alléluia. Alors que tu es en train de recevoir le feu du Saint-Esprit, tu vas dire avec moi, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, fais de moi une arme de guerre pour la destruction de tous mes ennemis. Oh, fais de moi une arme de guerre pour la destruction des œuvres des ténèbres. Fais de moi une arme de guerre pour la destruction des ténèbres dans ma famille. Fais de moi une arme de guerre pour la destruction, alléluia, la destruction des ténèbres, la destruction des ténèbres au nom puissant de Jésus. Ou encore la destruction des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Demande le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin de ce feu. C'est le feu de l'Esprit qui te donne la capacité de devenir une arme de guerre contre les œuvres des ténèbres. De devenir une arme de guerre contre les sorciers. De devenir une arme de guerre. Deviens une arme de guerre dans le nom puissant de Jésus. On déclare que je reçois ce feu. Je reçois le feu du Saint-Esprit qui fait de moi une arme de guerre. Je reçois le feu du Saint-Esprit qui me transforme en arme de guerre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel a appelé Jérémie. Il a dit à Jérémie, tu es mon marteau. Tu es un marteau entre mes mains. Oh, Jérémie est un instrument de destruction. Au nom puissant de Jésus, demande le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit fait de moi une arme de guerre ce soir. Au nom puissant de Jésus, qu'en 2022, oh, que je devienne une arme de guerre. Au nom puissant de Jésus, une arme de guerre pour ta gloire. Une arme de guerre pour détruire les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, une arme de guerre. Une arme de guerre pour détruire les œuvres de la sorcellerie dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, une arme de guerre pour détruire la maladie. Au nom puissant de Jésus, une arme de guerre pour détruire ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien aimé, prie. Au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit fasse de toi une arme de guerre à partir de maintenant. Au nom de Jésus, une arme de guerre pour que tu puisses gagner des âmes. Au nom puissant de Jésus, une arme de guerre pour travailler dans la maison de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, une arme de guerre pour être utile dans le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus, une arme
femme de guerre pour travailler dans le royaume sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. 2022, l'année de ton repos. L'année du repos. L'année de la transformation radicale et totale de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh, fais de moi une arme de guerre, mon Père. Une arme de guerre pour la destruction massive des œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas dire mon Père, trois fois. Tu vas dire mon Père, mon Père, mon Père. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu nouveau pour te servir. Oh, donne-moi le feu nouveau pour te connaître encore. Donne-moi le feu nouveau pour être utile dans ton royaume. Donne-moi le feu nouveau pour te servir. Donne-moi le feu nouveau pour te connaître encore mieux. Donne-moi le feu nouveau pour être utile pour toi. Donne-moi le feu nouveau pour être utile dans ton royaume. Donne-moi le feu nouveau. Commence à prier. Dis mon Père trois fois. Mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je soupire après toi. Donne-moi le feu nouveau. Donne-moi le feu nouveau pour te servir. Donne-moi le feu nouveau pour te servir. Donne-moi le feu nouveau pour t'aimer. Donne-moi le feu nouveau pour être capable, Seigneur, de faire ta volonté. Donne-moi le feu nouveau pour être capable de servir à ta gloire. Donne-moi le feu nouveau pour être capable, oh Dieu, de manifester Christ dans ma vie. Donne-moi le feu nouveau pour être capable de faire ta volonté. Donne-moi le feu nouveau pour être capable de te servir, de te servir, de te servir. Mon Père, mon Père, mon Père. Oh, je t'en supplie. Mon Père, mon Père, mon Père. Je soupire après ce feu. Je soupire après ce feu. Que ce feu m'embrase de la tête à la plante du pied. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui donne la capacité de s'exprimer. Qui donne la capacité de servir. Qui donne la capacité de faire ta volonté, qui donne la capacité de marcher sur tes voies, qui donne la capacité, oh, de nager dans sa destinée, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, je crie à toi ce soir, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, trois fois je crie, trois fois je te cherche, trois fois je te cherche, je t'en supplie, je t'en supplie, mon Père, mon Père, mon Père, donne-moi le feu nouveau, un feu nouveau pour te servir, un feu nouveau pour faire ta volonté, un feu nouveau pour te chercher, un feu nouveau pour te chercher, un feu nouveau, mon Père, mon Père, mon Père, oh, je soupire après toi, un feu nouveau, oh, je soupire après toi, mon Père. Je soupire après toi, mon Père. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Je désire le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu qui change une personne radicalement. Le feu qui transforme une personne en profondeur. Le feu qui change. Ce feu qui a changé Pierre, un simple pécheur, en pécheur d'homme. Ce feu qui a changé l'apôtre Paul en de meurtrier qu'il était. Il est devenu, oh, un apôtre majeur, ce feu qui a transformé la vie de David pour permettre à David de tuer Goliath avec quelques pierres dans la main, ce feu qui a transformé Moïse en un héros de ce bête qu'il était. Il était bête, il n'avait pas la langue facile, mais le feu a mis la parole dans la bouche de Moïse. Le feu a donné la puissance à Moïse. Oh, je désire ce feu qui a permis que le bâton de Moïse devienne le bâton de la délivrance. Ce simple bâton de berger a reçu le feu. Grâce au feu, ce bâton était devenu le serpent qui avalait les serpents des magiciens de Pharaon. Ce bâton était devenu, oh, l'instrument de délivrance qui a permis que la mer rouge puisse s'ouvrir. Ce bâton était devenu un instrument de délivrance qui a permis que le rocher puisse donner de l'eau. Oh, je désire ce feu qui a donné la force à Samson. Ce feu qui était caché dans les cheveux de Samson et qui lui a donné la force de tuer les Philistins, la force de vaincre les batailles. Dans le nom puissant de Jésus, je désire ce
feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu. Mon Père, mon Père, mon Père, donne-moi un feu nouveau pour te servir. Oh, 2022, je ne veux pas te servir comme je te sers en 2021. En 2022, je veux un nouveau feu. Je veux un nouveau feu. Je veux une nouvelle dimension. Je veux une nouvelle onction. Je veux une nouvelle percée. Je veux une nouvelle, nouvelle, nouvelle dimension. Saint-Esprit, oh, les bras sautés, maraboché. Oh, je désire ce feu. Je désire ce feu. Le feu de l'esprit. Je peux avoir la bénédiction du pain, mais le pain va partir. Je peux avoir la bénédiction du travail. Le travail peut s'arrêter. Je peux avoir la bénédiction du mariage. Le mariage peut aussi s'arrêter. Je peux avoir la bénédiction des choses de la terre. Ces choses peuvent passer, mais je désire le feu. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Plus que toute autre chose. Ce feu qui permet que je ne manque jamais de pain. Ce feu qui permet que je ne manque jamais d'argent. Ce feu qui permet que je ne manque jamais d'huile. Ce feu qui permet que je ne manque jamais, jamais de puissance. Ce feu qui permet que je puisse faire le miracle. Ce feu qui permet que je marche sur les serpents et les scorpions. Je désire ce feu. Je désire ce feu. Je désire ce feu. 2022, l'année d'un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Je refuse la misère. La misère de ne pas te servir. La misère d'être dans un statu quo. La misère d'être toujours sur place. Je refuse cette misère. La misère d'être toujours au même endroit. La misère de faire toujours la même chose. La misère d'être toujours au même niveau de petitesse. Non, je désire un nouveau feu. Un nouveau feu. Un feu qui révèle les dons qui sont cachés en moi. Un feu qui me donne la capacité d'aller au-delà de mes limites. Un feu qui me donne la capacité de relever les défis. Bien-aimé, prie. Désire ce feu, le feu de l'esprit. Mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Alléluia. Donne-moi le feu nouveau pour te servir. Les bras sautés, marabosha. Marabosaya. Les bras sautés, maya. Les bras seteke. Shanda rababa. Je désire ce feu. Je désire ce feu. Que ce feu m'embrase. De la tête à la plante de mes pieds. Oh, les bras sautés. De la tête à la plante de mes pieds. Reçois ce feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, reçois le feu du Saint-Esprit. Que ce feu t'embrase maintenant. Marabosha. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que les anges de l'Éternel, les flammes de feu, la Bible déclare, il fait de ses anges des flammes de feu. Il fait de ses anges des vents, des flammes de feu. Oh, que ces flammes viennent à toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu reçoives, que tu reçoives, que tu reçoives le don, que tu reçoives la grâce, que tu reçoives une grâce de t'exprimer selon l'Esprit. Que tu reçoives une grâce de t'exprimer selon l'Esprit. Que tu reçoives une grâce de t'exprimer selon le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Refuse la misère d'être toujours au même endroit. Refuse la misère d'être toujours la même personne, de faire la même chose. Refuse cette misère, mais augmente avec Dieu. Monte avec Dieu. Fais des grandes choses avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Cherche à monter. Cherche à monter. Cherche à monter. Oh, quand Jean était sur l'île de Patmos, il a vu l'ange lui dire, monte ici et je te montrerai des choses. Monte ici et je te révélerai des choses. Que tu puisses monter dans la connaissance de Dieu. Que tu puisses monter dans la révélation divine. Que tu puisses monter dans ton amour pour Dieu. Que tu puisses monter dans ton zèle pour Dieu. Que tu puisses monter dans ton donner pour Dieu. Que tu puisses monter dans le nom de Jésus. L'abrasota marabosha. Leima sataya. Au nom de Jésus. Que tu montes, que tu montes, que tu montes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander l'onction. Le Saint-Esprit donne l'onction. Amen. Le Saint-Esprit donne l'onction. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit, car le Saint-Esprit donne l'onction. Le Saint-Esprit donne l'onction. N'éteignez pas l'Esprit. C'est pour cela que tu vas dire, onction pour servir Dieu. Descends sur moi maintenant au nom de Jésus. Reçois l'onction pour servir Dieu. Cette fainéantise là, cette paresse que tu ressens d'aller à l'église, de faire quelque chose, ça ne vient pas de Dieu. Appelle l'onction. Onction pour servir Dieu. Descends sur moi maintenant au nom de Jésus.
Même si tu sais seulement balayer, mais ton balai va servir Dieu. Tes mains serviront Dieu. Même si tu sais seulement acclamer, mais tes acclamations serviront Dieu. Même si tu sais seulement faire ce que tu sais faire va servir Dieu. Va servir Dieu, va servir Dieu. Parce que tu sais seulement balayer. Un jour, quelqu'un va te dire, mais pourquoi tu achètes ces balais? Tu vas dire, j'achète ces balais pour la maison de l'Éternel, pour la maison de Dieu. J'achète ce balai pour l'église. Et ce sera une occasion pour toi d'évangéliser cette personne au travers des balais que tu as achetés pour l'église. L'abrasota marabosha. Marabasataya. Lekemasete. Oh, commence à demander l'onction. Onction pour servir Dieu. Descends sur moi maintenant au nom de Jésus. Que la distraction te quitte au nom de Jésus. Que la distraction te quitte au nom de Jésus. La vie de distraction, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Que la vie de distraction, la vie de confusion, la vie qui ramène toujours des problèmes dans ta vie, s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie de mensonge s'arrête. Que la vie de colportage s'arrête au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction pour servir Dieu. Onction pour servir Dieu. Descends sur moi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Onction pour servir Dieu avec plaisir, avec joie. Descends sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, onction pour servir Dieu, descends sur moi dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'onction pour servir Dieu. Reçois l'onction, bien-aimé, de servir Dieu dans les dons et les talents que Dieu a mis pour toi. Reçois l'onction, bien-aimé, de pouvoir servir Dieu dans les dons que le Saint-Esprit t'a donnés. Que le don de révélation revienne dans ta vie au nom de Jésus. Que le don de prophétie, que le don de parole de connaissance revienne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, tu as la parole de sagesse. Tu as déjà remarqué que quand tu donnes des conseils, quand tu donnes des conseils aux gens, les gens t'écoutent. Quand tu parles, c'est comme si les gens reçoivent la paix. Oh, que le don de sagesse qui est en toi soit maintenant, oh, ranimé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit ranimé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit ranimé au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne le don de la parole de sagesse maintenant. Dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu vas donner un conseil, ton conseil ne ratera jamais. Ce que tu penses ne va jamais rater. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que les gens vont t'écouter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, que le don de la parole de connaissance dans ta vie puisse encore être ranimé maintenant. Que le don de la parole de connaissance puisse être ranimé maintenant. Qu'à chaque fois que tu vas écouter la première pensée, que tu ne la négliges pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le don de la parole de connaissance s'ouvre dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit ranime en toi le feu de la parole de connaissance. Dans le nom puissant de Jésus. Les bras sautent. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, je prie maintenant pour le don de foi. La Bible déclare, à un autre, l'Esprit donne la foi. Que tu puisses avoir le don de foi au nom de Jésus. On peut prier, mais après tu es toujours en train de douter. On peut prier, après tu es toujours en train de douter. Bien aimé, il y a la foi et la foi. Celui qui a le don de la foi a une grâce particulière. Il croit. Il croit, il a une foi inébranlable, quelles que soient les réalités qui sont devant lui. Oh, je prie et je déclare, reçois le don de foi maintenant, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ avait le don de la foi. Notre Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Il était un homme, il s'est exprimé dans tous les dons de l'esprit. Il avait le don de la foi. On lui a dit que Lazare est mort. Il a dit, notre ami Lazare dort. Ça, c'est la foi. Notre ami Lazare dort, je vais aller le réveiller. Notre ami Lazare dort, je vais aller le réveiller. Oui, il avait le don de foi. Il était le prototype pour nous aujourd'hui. Il était le prototype, il avait la foi. C'est pour cela que le Saint-Esprit te donne ce soir le don de la foi au nom de Jésus. Et qu'en 2022, tu puisses nager, tu puisses naviguer dans le don de la foi au nom puissant de Jésus. Que personne ne vienne te voler la parole que tu reçois sur la tour de prière semeur. Que personne ne vienne te voler la parole que tu lis dans ta Bible. Que personne ne vienne te faire douter au nom puissant de Jésus. Reçois le don de la foi. Reçois le don de la foi.
par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Reçois le don de la foi par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que ton don soit réanimé, que ton don soit réanimé, au nom de Jésus. Si tu as le don de la foi et que tu ne savais pas, que cela soit révélé maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les dons que le Saint-Esprit a mis en toi soient activés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, que l'onction du don de la foi tombe sur toi ce soir. Que l'onction du don de la foi tombe sur toi ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit donne aussi le don des guérisons. Le don des guérisons. Je prie ce soir que le don des guérisons vienne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le don des guérisons soit activé maintenant dans ta vie, dans ta bouche et dans tes mains, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le don des guérisons, quelle que soit la maladie qui se présentera devant toi, tu prieras et la personne sera guérie. Au nom puissant de Jésus, tu prieras, tu déclareras et la personne sera guérie. Dans le nom de Jésus, que le don des guérisons des malades soit maintenant activé dans ta vie, soit maintenant réanimé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la peur quitte ton cœur, que la peur quitte tes pensées, quel que soit ce que tu verras comme cas, que tu puisses prier. Car Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Reçois le don des guérisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois aussi le don d'opérer des miracles. Reçois ce don. Reçois le don d'opérer des miracles par le feu du Saint-Esprit. Que tu puisses opérer des miracles. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour opérer des miracles. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour opérer des miracles. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre ministériel pour opérer des miracles. Car le miracle est, bien aimé, le prérequis que le Seigneur donne à tous ceux qui ont cru. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui ont cru, il a donné le don de faire des miracles. Reçois ce don au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, reçois le don d'opérer des miracles. Dans le nom puissant de Jésus, que dans ta vie, tu puisses opérer des miracles. Que dans ta vie, que tu puisses prier et que tu vois des miracles venir. Au nom puissant de Jésus, que tu puisses déclarer et que tu vois des miracles. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Saint-Esprit donne aussi le don d'opérer des miracles. Tous nous pouvons opérer des miracles. Mais quand ça devient un don, ça va devenir naturel et facile parce que c'est un don. Reçois ce don dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, reçois aussi le don de prophétie. Nous sommes dans un temps où la prophétie est importante. Que tu puisses recevoir le don de prophétie. Que l'esprit de prophétie puisse s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de prophétie soit activé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois des prophéties dans le nom de Jésus. Par la voyance, par l'écoute, par le ressenti, par l'odeur, au nom puissant de Jésus. Par le toucher, que tu puisses recevoir la prophétie au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que le don de prophétie soit activé dans ta vie par le Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les dons de vision qui sont en toi reviennent au nom puissant de Jésus. Que les dons de vision qui sont en toi reviennent au nom de Jésus. Que les dons de vision qui sont en toi reviennent au nom de Jésus. Que le don de prophétie, oui, c'est pour cela que j'ouvre tes yeux maintenant au nom puissant de Jésus. J'ouvre tes oreilles au nom puissant de Jésus. Je viens activer tes mains au travers du toucher que tu reçois des messages au nom puissant de Jésus. Je viens activer ton odorat au travers du sentir que tu puisses recevoir des messages au travers de ce que tu ressens dans ton corps, que tu puisses recevoir des messages venant de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le donne aux enfants de Dieu au nom de Jésus. Reçois le don de discernement des esprits dans le nom de Jésus. Je prie qu'en 2022 que tu reçoives ce don de discernement des esprits, que tu sois capable de discerner ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Que tu sois capable de discerner ça c'est un ange, ça c'est un démon. Que tu sois capable de discerner soit ça c'est un sorcier, ça c'est pas un sorcier. Que tu sois capable de discerner, oh, que l'esprit de discernement des esprits, on dit bien discernement des esprits, même quand tu fais un rêve qui aura tendance à être comme si c'était bien, mais si c'était un rêve qui était caché, que tu sois capable de discerner que c'était le diable
au nom puissant de Jésus. Même si Satan vient se présenter à toi en lumière dans le songe, que tu puisses avoir cette capacité de discerner que c'est Satan. Que tu puisses avoir cette capacité de discerner que c'est Satan. Si quelqu'un prend un autre visage pour se présenter devant toi, oh, que cet esprit, que cette onction de discernement des esprits vienne dans ta vie, que tu puisses discerner que ça, c'est pas Dieu. Que tu puisses discerner que ça, c'est pas ma mère. Que tu puisses discerner que c'est pas mon enfant. Que tu discernes l'esprit qui sera caché derrière tout ce que tu vas voir comme image, comme rêve ou tout ce qu'on peut te dire dans le nom puissant de Jésus. Sois capable de discerner les esprits au travers de quelqu'un qui te parle, au travers de quelqu'un que tu vois, au travers d'un songe, au travers d'un rêve, au travers d'une histoire qu'on te raconte, au nom puissant de Jésus. Quand le serpent parlera devant toi, que tu puisses discerner que c'est le serpent, au nom puissant de Jésus. Reçois cela par le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, il est écrit aussi que le Saint-Esprit donne aussi le don de la diversité des langues. Reçois le don de la diversité des langues. Oui, reçois le don de la diversité des langues. Quand on parle de diversité des langues, c'est-à-dire tu peux parler la langue des anges, tu peux parler la langue de l'esprit, tu peux parler même les langues normales. Tu n'as pas appris le chinois, mais quand tu pries, tu commences à parler chinois. Tu n'as pas appris le japonais, mais quand tu pries, tu commences à parler le japonais. Il faut que quelqu'un vienne interpréter. Quand tu pries, tu commences à parler créole, alors que tu ne connais même pas créole. Quand tu pries, tu commences à parler les langues africaines alors que tu n'es pas africain. Au nom de Jésus, que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que la diversité des langues vienne dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit puisse s'exprimer dans ta vie au travers des diversités des langues. Que tu parles la langue des anges, que tu parles la langue des hommes, que tu parles des langues que tu n'as pas appris, que tu parles l'anglais alors que tu ne connais même pas un mot, mais le Saint-Esprit te donne l'anglais. Au nom puissant de Jésus, qu'il puisse s'exprimer en toi au travers de la diversité des langues, au nom de Jésus. C'est pour cela que l'Esprit donne aussi l'interprétation des langues. Reçois la grâce d'interpréter des langues au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce d'interpréter des langues au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce d'interpréter des langues au nom puissant de Jésus. Que tu puisses recevoir la grâce d'interpréter des langues au nom de Jésus. 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 Que le Saint-Esprit puisse t'investir, oui, des dons spirituels. Que le Saint-Esprit puisse investir ta vie, des dons spirituels, dans le nom de Jésus. 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 Parce que la Bible déclare, le Saint-Esprit donne les dons à qui il veut. Il les dispense comme il veut, volontairement. Il décide de qu'est-ce qu'il donne à qui, qu'est-ce qu'il donne à l'autre. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est écrit, tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. C'est selon sa volonté. S'il veut te donner l'interprétation des langues, il va te donner. S'il veut te donner le don de la foi, il va te donner. S'il veut te donner le don de prophétie, il va te donner. S'il veut te donner la parole de connaissance, il te donne. S'il veut te donner la parole de sagesse, il te donne. Il donne à qui il veut, comme il veut. C'est pour cela que tu dois être ami du Saint-Esprit, afin qu'il puisse te dispenser les dons. Que le Saint-Esprit te donne, selon sa volonté, le don de ta vie, le don de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Saint-Esprit, 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 bien-aimé, déclare avec moi, au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. En 2022, je refuse d'éteindre le feu du Saint-Esprit. Je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit ne va pas s'éteindre dans ma maison. Le feu du Saint-Esprit ne va pas s'éteindre dans ma vie. Déclare cela. Au nom de Jésus, je déclare que je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit ne va pas s'éteindre dans ma vie, ne va pas s'éteindre dans ma maison, ne va pas s'éteindre dans ma destinée, ne va pas s'éteindre dans tout ce que je fais. Le feu du Saint-Esprit ne va pas s'éteindre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant. Le feu du Saint-Esprit ne va pas s'éteindre dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Oh, je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je peux vivre, quelles que soient les choses, je déclare que je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Non, 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 non. Je n'éteindrai pas le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je peux tout perdre. Je ne perdrai pas le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je refuse d'éteindre le feu de l'Esprit. Je refuse d'éteindre le feu de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et pour terminer, tu vas dire,
Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis bénie. Mon année 2022 est bénie. De janvier à décembre, mon année est bénie. Mes jours sont bénis. Mes mois sont bénis. Mes semaines sont bénies. Je marche dans la bénédiction. 2022, je marche dans la vie Zoé. 2022, je marche dans la guérison divine. Commence à déclarer pour toi. Commence à déclarer pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, déclare pour toi. Déclare pour toi. Déclare pour ta maison. Déclare pour ta famille. Déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que 2022 est une année bénie pour moi. Est une année de repos pour moi. Au nom de Jésus, je déclare que je marche dans la vie de Dieu. Je marche dans la bénédiction. Je marche dans la vie Zoé. Dans le nom puissant de Jésus. 2022, l'année de feu. L'année de la passion avec le Saint-Esprit. Je déclare que je suis béni. Béni dans les cieux. Béni sur la terre. Béni sous la terre. Béni dans les eaux. Béni dans les forêts. Au nom puissant de Jésus. Béni dans l'air. Au nom de Jésus, tout me bénit. Dans le nom puissant de Jésus. Je marche dans la bénédiction, dans le nom de Jésus. Je possède les territoires en 2022. Je possède les territoires. Je possède les territoires. Je possède le nord. Je possède le sud. Je possède l'ouest. Je possède l'est. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis béni. 2022. Je suis béni dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le repos. Est-ce que tu peux dire merci pour les ossements? Merci pour le repos, Seigneur. Merci pour l'exaucement. Nous te bénissons, tendre Père. Merci pour le repos que tu accordes à ton peuple. Merci pour l'Esprit, pour le feu du Saint-Esprit qui est descendu et qui a rempli tes enfants. Merci, Père, pour 2022 qui est l'année de feu, l'année de la nouvelle dimension, l'année de la passion avec le Saint-Esprit, l'année de la bénédiction au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce que 2002 n'a pas donné, 2022 va le donner. Ce que 2012 n'a pas donné, 2022 va le donner. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce que 1992 n'a pas donné, 2022 va le donner. Ce que 1982 avait gardé, 2022 va le vomir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare sur toi ce que 1982 ne t'avait pas donné. 2022 va le vomir au nom de Jésus. Ce que 1992 ne t'avait pas donné, 2022 va le vomir au nom de Jésus. Ce que 2002 ne t'a pas donné, 2022 va le vomir au nom puissant de Jésus. 2022 va le vomir au nom de Jésus. Ce que Satan t'avait volé en 92, ce que Satan t'avait volé en 2002, 2022 va le vomir au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il y aura opération vomissement. Opération vomissement. Opération vomissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Opération vomissement. Ce qu'on a fait contre toi en 82, quand tu étais encore bébé. Oh, ce qu'on a gardé, ce qu'on a pris, va être vomi aujourd'hui. Ce qu'on a pris quand tu avais 4 ans, quand tu avais 5 ans, quand tu avais 10 ans, va être vomi en 2022. Au nom puissant de Jésus, opération vomissement, vomissement de ce qui m'appartient, vomissement de ce qui m'appartient, dans le nom de Jésus, vomissement, je déclare, opération vomissement, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, ce qu'on a fait contre toi quand tu avais 10 ans, en 82, quand tu avais 19 ans, en 92, quand tu avais peut-être 20 ans, en 92, quand tu avais 30 ans, en 2002, va être vomi maintenant, va être vomi maintenant. Va être vomi maintenant, au nom puissant de Jésus. Va être vomi maintenant. Va être vomi maintenant. Va être vomi maintenant, au nom de Jésus. Et tu rentres dans ta bénédiction, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Reçois la gloire, reçois la louange. Père, garde-nous fidèles à toi, afin que nous puissions être là demain, tout à l'heure pour la prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis, que votre nuit soit bénie, que la grâce de Dieu vous protège, que le sang de Jésus vous couvre cette nuit, que le sang de Jésus vous garde, vous préserve, et que vous puissiez avoir un sommeil doux et paisible au nom de Jésus-Christ. Alors, la prière de tout à l'heure, on l'a fait à 5 heures. Amen. Prenons 5 heures pour que nous puissions avoir le temps de nous reposer. 5 heures du matin. Prochaine session, 5 heures du matin. De 5 heures à 6 heures. Voilà. Prochaine session, 5 heures à 6 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. N'oublions pas l'offrande prophétique de notre jeûne. Amen. Selon que le Seigneur vous accordera la grâce de la faire. Et demain, nous sommes donc au culte au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Porte Paris, 91 100 Corbeil et Somme. Alors, s'il vous plaît, si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, ne partez pas si vite, s'il vous plaît. Cliquez juste sur s'abonner, sur la cloche des notifications, excusez-moi. Sur la cloche des notifications et puis aimez la vidéo. Nous sommes très nombreux ce soir,
S'il vous plaît, aimons la vidéo. Je vous en prie, aimons la vidéo. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui donnent leurs offrandes. Soyez bénis. Madeleine, sois bénie. Rosine, sois bénie. Et tous ceux qui ont donné avant, tout à l'heure, je n'ai pas trop suivi. Soyez tous bénis. Voilà. Micheline, sois bénie. Que le Seigneur te fasse du bien et te visite et te donne la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aimez la vidéo, aimez la vidéo, aimez la vidéo et partagez cette vidéo à quelqu'un. Amen. Annick Faveur, sois bénie. Rachel Ebo, sois bénie. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Donc, la prochaine prière, c'est à 5h du matin. On se permet, permettons-nous de nous reposer quand même un peu. Voilà, pour que nous puissions être là à 5h et après, on aura le culte. Donc, on va enchaîner après avec le culte à 11h. Donc, il faut nous reposer. Voilà, soyez bénis. Soyez, Amélia, c'est bien. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Et donc, je vous dis à très bientôt. Faites un don pour la tour de prière semeur. Si vous êtes béni par la tour de prière semeur, bénissez aussi l'instrument, le canal que Dieu utilise pour vous bénir. Bénissez, faites un don PayPal, faites un don... par virement bancaire, qui est ici, vous avez les coordonnées. Vous pouvez aussi faire un don par transfert, tout ce qui est RIA, MoneyGram. Ne faites pas Western, mais RIA, MoneyGram. Faites aussi un transfert, vous avez le nom qui est là. Amen. Appelez-nous, quand vous faites votre transfert, appelez-nous, envoyez-nous votre reçu. Comme ça, nous allons aller récupérer votre don. Amen. Voilà. Donc, quand vous envoyez, s'il vous plaît, ne mettez pas, j'envoie à Prophétesse, j'envoie à Manzoni, Déborah, ne mettez pas mon nom parce que ce n'est pas ce qui est sur ma pièce d'identité. Amen. Déborah n'est pas sur ma pièce d'identité. Si vous mettez Manzoni, Déborah, Frida, ce n'est pas bon. Il faut demander l'identité. Et on vous met un nom à l'écran. Utilisez ces noms-là. Utilisez les noms qu'on vous met à l'écran. N'allez pas toujours mettre ce que vous voyez parce que des fois, ce n'est pas ça. Amen. Donc, évitez. Si vous avez des transferts à faire, n'écrivez pas ce que vous voyez sur Internet, Prophétesse, Frida, Déborah, Manzoni, parce qu'on ne saura pas aller chercher ça. Ce n'est pas dans la pièce d'identité. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne nuit et que les anges de Dieu vous visitent encore ce soir et donc à demain. Soyez bénis, ciao, ciao. Jésus est bon, il est tellement bon, rempli de compassion et d'amour. Aïe, Jésus est bon, il est bon, aïe, il est bon, aïe, il est bon, aïe, mon papa est bon, il est bon, il est rempli d'amour, Jésus est, il est bon, il est rempli de compassion, Jésus, il est bon, il est rempli de joie, Jésus est. Jésus est bon, il est bon.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.